because I'm going to start. 4, 2, ladies and gentlemen, this chat is the main event of the evening. Le Super Welter et Sloppy Gap de Manchester, il y a 29 ans, il a déposé à 60 points gagnant avant la limite. Barch affrontera le champion de Grande-Bretagne de la catégorie des Super Welter, il s'appelle McCracken, est invaincu et espère arriver au plus niveau le plus vite possible. Attention aux enchaînements à la longe et Longiline qui vient avec juste un direct du gauche en piston de toucher ce Elstead Ligard. Quaken passé professionnel. Il n'y a pas encore. Un boxeur bien en ligne. Il est allez, tout sur le très sec. Il fait le rebond par Quaken Story, le but. Regardez pas bien, match était. Première lutte terrible entre Sken. Il a tendance un petit peu à baisser son point droit. Première lutte terrible pour ces deux boxeurs. Relativement méconnu son point international. Mais la boxe en Angleterre est riche, très riche. Et c'est pour ça qu'il esquive et qu'il remise avec son gauche. La craquée ne doit pas se battre. Boxeur à qui pour l'instant tout a réussi. Deux frères, Patty et Tommy Lynch. Du gauche, la droite derrière. C'est bien fait. C'est esquive très basse de son adversaire. Et un crochet gauche terrible. Un manque d'expérience va se passer dans ce match. Mais ce qui est certain, c'est que tout se complètement sans parler. Le jeune Robert McCracken. Une défaite de McCracken. Une défaite en deux conséquences. Et en revanche pour ce Bingham, ce sera l'occasion pour lui de se révéler. Le milieu de ce bruit et s'enthousiasme pour ce match. Pas de technique, même s'il a un petit peu. En erreur amateur, deuxième du Coupe du Monde en 1990, le super léger l'année précédente. Oh, quel direct du gauche, doublé du gauche. Ah, donc c'est Longiline qui a une de belles attitudes. On comprend pourquoi Mickey Duff, son manager. Et McCracken n'est pas à l'abri. Fin de ce round gagné par McCracken. Match très équilibré. C'est simple. C'est efficace. Le public surexcité. Début maintenant de la troisième reprise. Énormément de tension sur le ring et autour du ring. Quel public extraordinaire que ce public anglais. Kuroman, il a une grande force physique. Ce boxeur qui a et qui soit champion de Grande-Bretagne ou champion du Commonwealth. Il sape la résistance de son adversaire qui prend beaucoup plus de coups.
À nouveau, ce direct du gauche, à droite derrière. Bingham est redouté merveilleusement bien avec tout l'appui, tout le poids du corps, les appuis sont parfaits. Le public qui scande Robert. You want it most. Yeah? You want it most. Head and shoulders when you're gonna go. Open the frame. Restez jusqu'au bout de l'angle de gauche. Même si elle risque de se terminer aux alentours du début du bâton. Nous sommes désolés la finale du champion de Grande-Bretagne et du poids de l'Angleterre. Quel que serait le mouvement. Lorsque nous avons présenté le match de l'Arcade au cours, j'étais au bord du ring avec Eric Cantona. Il est encore jeune et perfectible. Ah, ça compte tout simplement le vrai test. Le match qui permet de concrétiser, de venir réellement en champion. Pour l'instant, les matchs ont été relativement faciles. La carrière bien menée par Mickey Duff. 12 victoires, 12 combats, 11 avant. Il est parti sur un rythme très élevé. Il n'est pas certain que de l'obtenir le tien jusqu'au 10e round. C'est le match bien entendu. Très pur, direct en crochet droit et en crochet gauche. Abidane n'est pas du goût. Il reproche Abidane d'avoir un petit peu la tête basse. Je suis trop basse à son goût. 4e round remporté par McQuacken qui mène maintenant au point. Lors de son dernier match le 10 octobre. Le 1er octobre, par le moment. A battu Horace Fleury une fois cette année, il a battu Paul Lynch le 12 février. Deuxième reprise. Énormément de tension dans ce match. Un boxeur très classique. Il fait de très belles choses. Du point gauche. C'est de plus en plus violent. Les coups sont de plus en plus mal. Et le plus fort physiquement gagnera ce match. Même si McQuacken dans ce 5e round fait des choses. Mais... Ah, il ne sait pas toujours casser le rythme. Il ne sait pas toujours doser ses efforts car il est jeune et très perfectible sur McQuacken. Mais dans les mains, il y aura la réaction de Hensley Bigam. En 1990. Et soyons certains, il passera vite chez les poids moyens. Il a la morphologie. Enfin que. Hard, on
but de la sixième reprise maintenant. C'est plus vif. La minute de repos lui est vite bénéfique. En revanche, au bout d'une minute, il danse un petit peu. Il passe pour des contres. Il prend beaucoup de risques. Il n'a pas beaucoup de solutions, Bingham. Avec très bien fait son enchaînement. Ah, il ne prend pas à base de direct. Bingham qui a été battu pour la dernière fois par Willis Swift. Mais c'est une victime de Jean-Claude Fontana dans un championnat d'Europe. De quoi Super Welter, car vous savez, le niveau européen est. Juste d'énervement de McCracken qui ne supporte plus les accrochages. Tombe de plus en plus sur ses coups. Bingham qui arrive de plus en plus fatigué. Septième reprise maintenant. C'était permis après le knockdown. Il a retenu une instance au sujet. Si bon, reste les dégâts. On suit de superbes directs au niveau. C'est un petit peu d'espoir à désespérer. Un petit parti très court. L'intérieur, il ne l'a pas encore fait beaucoup à McCracken. Les deux boxeurs. Monsieur Paris n'a pas apprécié un peu dans l'avant, c'est vrai. C'est sa manière de boxer. Respectivement 13 combats pour McCracken et 15, 16e ce soir. Les dégâts qui sont donc ici. Là, le même domaine, c'est justement de ne pas. Il y a une quinzaine de supporters de l'Espagne qui sont venus dans le terrain. Tous ses partenaires d'entraînement. Il y a Frank Grant qui est là, il y a Maurice Sport. Kédori. Robert McCracken qui a toutes les chances cette année d'être élu ici bien ce soir par la presse anglaise spécialisée. Meilleur espoir anglais de la. En bagarre avec l'un des boxeurs de Mikhailov qui est le champion du Cameroun. Nous avons déjà vu sur TF1 qui s'appelle Richie Vidal. Ils ont beaucoup de qualité pour être appréciés du public. Oh, ce tranché gauche. Il est très précis, il a un très très bon coup d'œil. Il n'a plus la même vivacité, il était moussé. Durant un coup, il est déstabilisé. Il
il était capable de réaction, il le bloque. Et le jeune McCracken gagne cette reprise. Neuvième round, on s'est vite relevé et on repart au combat dans cette officielle par championnat. Et ensuite du Commonwealth, on ne franchit pas, on ne brûle pas les étapes. À 100 à l'heure, on prend son temps. Donc c'est bien fait, bien connu de juste à droite derrière. Bingham au bord du Nord-Claude, il n'a pas accroché le gauche encore accepté. Ses fans, corps public, ce qui est le gros pas. C'est vrai qu'il est encore un petit peu amateur dans ses accrochages. Attention à Bigam qui jette ses yeux. Un sourire à l'avantage de McCracken. Domine Bigam. Chester, mais à Wolverhampton, ils n'ont pas un stade de foot, mais bien dans une salle de boxe. Et au bout, une victoire. Et au bout, la possibilité pour ce jeune boxeur dans le premier round. Il a survécu à ce premier round, cela démontre chez Rampton. Avec les Anglais, ce n'est pas une surprise. Une droite et l'explosion sur le ring. Il n'est pas. Venez au tapis, mais comme. Succès, toujours invaincu sur Robert McCracken. Quelle droite! C'est la succession de tous les coups. Et quand même, vous sortez des images douloureuses qui font mal. Et Bigam, extraordinaire, sur lequel n'a pas bronché McCracken, la remise du point droit. Image terrible que nous reverrons souvent sur TF1. Il y a auparavant ce tueur de Birmingham qui donne un direct du gauche et une droite à la tempe. Il est KO debout, il est électrocuté, il n'a plus les moyens de se mettre nous. Car ensuite, nous verrons les derniers rounds du match.